These people speak French. In this course, everybody speaks French. Commençons par mes parents. Don't be concerned if you can't understand what they say at first. Voilà mon père et ma mère. Listen, watch, and get involved. Voilà. Pretty soon you will figure out what's going on. Mon Dieu. And be able to say a few things in French yourself. Ouais. Mireille tells Hubert she's won the lottery. He strongly disapproves of the lottery, although he has been known to play the horses. Robert and a shoe salesman have a misunderstanding about sizes, and Aunt Georgette tells the story of the one that got away. Avant d'aller retrouver Hubert, Mireille va faire un tour place Vendôme. Elle arrive chez Angelina, rue de Rivoli, où Hubert l'attend pour déjeuner. Hubert, tu ne devineras jamais. Je te le donne en mille. Eh ben, puisque je ne le devinerai jamais, dis-le-moi tout de suite. Nous avons gagné à la loterie. Qui ça, nous? Ben, Robert et moi, pardi. C'est une honte. La loterie est une des institutions les plus immorales de notre triste époque. Il n'y a que le loto et le tiercé qui soient pires. Mais qu'est-ce que ça a de si honteux que ça, la loterie? D'abord, ça décourage les vertus capitales de notre société capitaliste. Le travail, l'économie, l'épargne. Et puis ça encourage la paresse. Au lieu de compter sur leur travail, les gens ne comptent plus que sur leur chance. Ils vivent dans l'attente du jeudi matin. Mais je croyais que tu jouais aux courses à Longchamp, non? Ce n'est pas la même chose. Parce que moi, je travaille pour l'amélioration de la race chevaline. Pendant ce temps, Robert essaie courageusement de faire quelques achats. Il est au rayon des chaussures à la Samaritaine. Vous cherchez des bottes? Non, je voudrais des chaussures que je puisse mettre pour conduire et pour faire de la marche. Quelque chose qui soit solide, mais pas trop lourd. Quelle est votre pointure? Comment? Du combien chaussez-vous? Ah, je chausse du 11,5. Vous, du 11,5, vous plaisantez. Vous faites au moins du 43, je dirais même du 44. Je vous assure, la dernière fois que j'ai acheté des chaussures, c'était à Boston cet hiver, c'était du 11,5. Tenez, justement, ce sont celles que j'ai aux pieds. Eh bien, elles devaient être élastiques. Elles ont grandi depuis cet hiver. Du 11,5. Vous autres Américains, vous ne dévaluez pas le dollar, mais vous avez certainement dévalué vos pointures. Asseyez-vous que je prenne vos mesures. Juste. C'est bien ce que je pensais. Je me trompe pas souvent, j'ai le compas dans l'œil. Un compas dans l'œil? Ça ne vous gêne pas pour prendre les mesures? Mireille arrive chez Tante Georgette, toujours très excitée. Ah! Alors, qu'est-ce que ton père m'a dit? Tu as gagné la loterie? Oui! Gagné à la loterie nationale, mon rêve. Aujourd'hui, il n'y en a plus que pour les jeunes. Eh bien, les vieux n'ont plus qu'à crever dans leur coin ou trier des lentilles. Bon, attends, je vais t'aider. Regarde. Voilà. Regarde. Ah non, celle-là non. Ah, c'est Georges qui les aimait, les lentilles. Georges? Non, pas ton cousin, non. Georges. Georges de Pignerol, il s'appelait. Tu l'as pas connu. Tes parents ne l'aimaient pas, ils voulaient pas le voir. Ah, quel bel homme.
grand, brun, distingué. Hein? Je l'avais rencontré un soir sur le boulevard des Italiens. On avait pris un café, on se comprenait. On voulait monter ensemble un salon de coiffure pour chien. On avait réuni nos économies pour acheter un très beau magasin. Ton père n'était pas d'accord. Il a été très désagréable avec Georges. Georges ne l'a pas supporté. Il est parti. Je ne l'ai jamais revu. Alors, mais dis-moi, c'est combien tu as gagné à la loterie? 40 000 francs? Oh, qu'est-ce que tu vas faire de tout cet argent? Ben, je sais pas. J'ai téléphoné à Cécile tout à l'heure pour lui annoncer la nouvelle. Elle me conseille de garder l'argent pour quand je serai mariée. Son mari dit que je devrais acheter un terrain. Il dit que c'est le placement le plus sûr. Le papa voudrait que j'achète des tableaux qui vaudront des millions dans 10 ans. Et toi, qu'est-ce que tu me conseilles? Ouais. Moi, c'est bien égoïste, tout ça. Moi, si j'étais toi, je ferais une donation à la SPA. À la SPA, qu'est-ce que c'est que ça? La Société Protectrice des Animaux, voyons. Et puis, tu pourrais m'aider pour mon cimetière de chiens. Pas vrai, Fido? Ah. Vous voulez des chaussures de montagne? Non, j'ai peur que ce soit trop lourd. Tout de même, pour la marche, il vaudrait mieux des chaussures montantes, pas des souliers bas. Voilà ce qu'il vous faut. Des patogas. Ce sont des chaussures montantes. Ça tient très bien la cheville. Mais c'est très souple, très léger. Vous avez des semelles antidérapantes. Avec ça, vous ne pouvez pas glisser. Essayez-les, vous verrez. Ah. Comment vous vont-elles? Pas mal. Mais celle de gauche me sert un peu. Non, ce n'est rien, vous vous y habituerez. Combien valent-elles? 450 francs. Celle de droite est vraiment très bien, mais celle de gauche me sert vraiment. Et si je ne prenais que celle de droite, ce serait combien? De 450 francs, je regrette, monsieur, mais nous ne les vendons pas séparément. Vraiment? Bon, alors tant pis, je prendrai la paire. Celle de droite est réellement très bien. Je m'y sens très bien. Vous n'avez pas besoin de sandales, d'espadrilles, de pantoufles? Non, merci. Pas aujourd'hui. Ah. Mireille a quelque chose d'extraordinaire à annoncer. C'est tellement inattendu qu'elle est sûre qu'Hubert ne devinera jamais. Hubert, tu ne devineras jamais. Je te le donne en 1000. Je te le donne en 1000. Je parie 1 contre 1000 que tu ne devineras pas. Je te le donne en 1000. Nous avons gagné à la loterie. Hubert n'aime pas ça. Il est contre la loterie. C'est une honte. La loterie est une des institutions les plus immorales de notre triste époque. Il n'y a que le loto et le tiercé qui soient pires. La loterie est une institution immorale. Le loto et le tiercé aussi. Le loto, c'est un jeu. C'est aussi une forme de loterie. Et le tiercé, c'est un pari sur les courses de chevaux. On parie sur 3 chevaux. D'après Hubert, la loterie, c'est immoral. Ce n'est pas bien. Mais le loto, le tiercé, c'est encore plus immoral. C'est pire. 6 sur 20 a un devoir, ce n'est pas bien. C'est même mauvais. Mais 2 sur 20, c'est pire. Regardez la circulation ici. Mauvais. Mais ici, c'est pire. La loterie, c'est immoral. Le loto et le tiercé sont pires. Mais il n'y a que le loto et le tiercé qui soient pires que la loterie. Il n'y a que le loto et le tiercé qui soient pires. Écoutez le dialogue entre Mireille et Hubert. Ensuite, vous jouerez le rôle d'Hubert. Hubert, tu ne devineras jamais. Je te le donne en 1000. Puisque je ne devinerai jamais, dis-le-moi tout de suite.
Nous avons gagné la loterie. Qui ça, nous? Ben, Robert et moi, pardi. C'est une honte. À vous, maintenant. Répondez à la place d'Hubert. Hubert, tu ne devineras jamais. Je te le donne en mille. Puisque je ne devinerai jamais, dis-le-moi tout de suite. Puisque je ne devinerai jamais, dis-le-moi tout de suite. Puisque je ne devinerai jamais, dis-le-moi tout de suite. Nous avons gagné à la loterie. Qui ça, nous? Qui ça, nous? Qui ça, nous? Ben, Robert et moi, pardi. C'est une honte. C'est une honte. C'est une honte. Voilà, la loterie est une des institutions les plus immorales de notre triste époque. Voilà. Il n'y a que le loto et le tiercé qui soient pires. Ça décourage les vertus capitales de notre société capitaliste. Le travail, l'économie, l'épargne. En général, on considère le travail comme une vertu. Travailler, c'est bien. Être travailleur, c'est une qualité. La charité aussi, c'est une vertu. Le courage aussi, c'est une vertu. Dans la tradition chrétienne, on dit que les gens vertueux vont au paradis. Et ceux qui ne sont pas vertueux vont en enfer. Dans une société capitaliste, on considère que l'épargne est une vertu. Il faut économiser l'argent pour constituer un capital. Il faut le mettre à la banque ou dans une caisse d'épargne. Que feriez-vous si vous héritiez beaucoup d'argent? Bon, premièrement, je mettrais énormément à la banque. En plus de ça, je garderais ça pour me marier. On l'économise. Si on en avait trop, on en mettrait déjà à la banque. Et vous, monsieur? Oh, la même chose, à la banque. Vous faites une promotion pour l'épargne? Ah, bien sûr, on le met à la banque, on le fait travailler, cet argent. Eh ben, je le mets en banque. Le travail, l'économie, l'épargne sont les vertus capitales de la société capitaliste. La loterie, ça décourage le travail et ça encourage la paresse. Il n'aime pas travailler, il est paresseux. Regardez, tout le monde travaille, mais Guillaume ne travaille pas. Il est plutôt paresseux. La paresse, ce n'est pas bien. Il ne faut pas encourager la paresse. Non, il faut décourager la paresse. Regardez ici. Le prof de karaté encourage son élève. Ici, les spectateurs encouragent les cyclistes. Mais lui, il est découragé. Elle aussi, elle est découragée. Et la loterie décourage le travail. Les gens ne travaillent pas parce qu'ils attendent de gagner à la loterie. Ils comptent sur leur chance. Et Marie-Laure compte sur Mireille pour lui faire son devoir. Hé, regarde, je n'y comprends rien. Qu'est-ce qu'il faut mettre? Ce n'est pas moi qui vais le faire, ton devoir. Ne compte pas sur moi et fais-le toi-même. Marie-Laure oublie tout. On ne peut pas compter sur elle. T'as pas acheté le pain? Hein? J'ai oublié. On ne peut vraiment pas compter sur toi. Les gens qui achètent des billets de loterie comptent sur leur chance. Ils vivent dans l'attente du jeudi matin. Parce que le tirage à la loterie a lieu le mercredi et on trouve les numéros gagnants dans le journal de jeudi. Le 307! Le 307! Hubert critique la loterie. Pourtant, il joue aux courses. Il parie sur les chevaux, mais... Ce n'est pas la même chose. Les gens achètent des billets de loterie pour gagner de l'argent. C'est égoïste. Hubert, lui, ne joue pas aux courses pour gagner de l'argent. Il fait ça pour une bonne cause. Parce que moi, je travaille pour l'amélioration de la race chevaline. Il travaille à améliorer la race chevaline. Pendant ce temps-là, Robert essaie d'acheter des chaussures. Il ne veut pas des bottes pour faire du cheval. Il veut des chaussures pour faire de la marche. Si vous voulez acheter des chaussures dans un magasin, vous pouvez être sûr qu'on va vous demander... Quelle est votre pointure? Ou alors... Du combien chaussez-vous? Mais les gens ne savent pas toujours du combien ils chaussent. Ils ne connaissent pas toujours leur pointure. Quelle est votre pointure? Oh, je n'en ai aucune idée. La question se pose à chaque fois que je vais dans un magasin de chaussures. Peut-être de l'ordre de 41 ou 42. Aux États-Unis, Robert chausse du 11,5. Dans le système américain, sa pointure, c'est 11,5. Mais dans le système français, 11,5, c'est une toute petite pointure. En fait,
Robert a de grands pieds. Dans le système français, il chausse du 44. C'est une grande pointure. Bon, alors, c'est du 44, ça? Oui, oui. Une petite pointure, une grande pointure. Robert insiste. La dernière fois qu'il a acheté des chaussures, c'était du 11,5. Tenez, justement, ce sont celles que j'ai au pied. Eh bien, elles devaient être élastiques. Elles ont grandi depuis cet hiver. Les chaussures de Robert ont grandi. Autrefois, Robert était petit. Et maintenant, il est grand. Enfin, il est plus grand. Il a grandi. Les chaussures de Robert ont dû grandir, sans doute parce qu'elles étaient élastiques. Ça, c'est élastique. Forcément, c'est un élastique. Le vendeur prend les mesures de Robert. Asseyez-vous que je prenne vos mesures. Il mesure le pied de Robert. Robert chausse exactement du 44. C'est ce que le vendeur avait dit. 44 juste. C'est bien ce que je pensais. Je me trompe pas souvent, j'ai le compas dans l'œil. Il a le compas dans l'œil. Un compas, pour prendre des mesures. Le vendeur n'a pas besoin de compas, parce qu'il a le compas dans l'œil. Mireille aussi a le compas dans l'œil. Ça fait combien ça, à ton avis? Je dirais 83, entre 83 et 85 centimètres. On va voir. Alors, 84. Et voilà. T'as le compas dans l'œil. Évidemment, si on a un compas dans l'œil, ça doit gêner. Déjà, quand on a juste un petit grain de poussière, ça gêne. Alors, un compas, lui, c'est une mouche qui le gêne. Et lui, c'est la lumière qui le gêne. Non, arrête, ça me gêne. C'est la lumière qui le gêne. Arrête, je te dis que ça me gêne. Je te ferai un petit dessin. Et tais-toi maintenant. Chut! Ils vont pas bientôt se taire, ces deux-là? Parce qu'il y a des gens mal élevés, quand même. Si vous parlez au cinéma, ça gêne les autres. Là, c'est Mireille qui gêne Marie-Laure. Arrête! Ici, c'est Jean-Pierre qui gêne Robert. Qu'est-ce que tu veux encore? Tu vas parler. C'est vous? Bonjour. Bonjour, c'est gentil d'être venu. Justement, je pensais à vous. Je sais pas. Pousse-toi, je vois bien que tu gênes. Mireille est allée annoncer à Tante Georgette qu'elle avait gagné à la loterie. Mais Tante Georgette le savait déjà. Alors, qu'est-ce que ton père m'a dit? Tu as gagné à la loterie? Oui. Tu as gagné à la loterie? Ah, ça ne m'étonne pas. Il n'y a que les jeunes qui aient de la chance. Tout est pour les jeunes. Il n'y en a que pour les jeunes. Dis, qu'est-ce qu'il y a encore? Tu ne peux pas m'arranger ça? Oh, il y en a marre. Mireille, arrange-moi ça. Mireille, fais-moi mes devoirs. Mireille, donne-moi à goûter. Il n'y en a que pour toi. Ah. J'ai autre chose à faire que de m'occuper de toi, moi. Aujourd'hui, il n'y en a plus que pour les jeunes. Aujourd'hui, il n'y en a que pour les jeunes. Tout est pour les jeunes. Rien pour les vieux. Les vieux n'ont plus qu'à crever dans leur coin. Personne ne s'occupe des vieux. Ils peuvent bien crever. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu es folle. Ça va pas, non? Tu vas le faire crever. Occupe-toi de tes affaires. Regardez, il a crevé. Les vieux n'ont plus qu'à crever dans leur coin. Un coin. Tante Georgette est en train de trier des lentilles. Celle-là, non. Non, celle-là, non. Voilà. Elle n'est pas bonne? Non. Des haricots, des pois cassés, des lentilles. Trier des lentilles. Ces lentilles la font penser à un certain Georges qui les aimait tant, les lentilles. Ah! C'est Georges qui les aimait, les lentilles. Oh, quel bel homme! Grand, brun, distingué. Je l'avais rencontré sur le boulevard des Italiens. On avait pris un café, on se comprenait. On voulait monter ensemble un salon de coiffure pour chiens. On avait réuni nos économies pour acheter un très bon magasin. Un salon de coiffure. Un salon de coiffure. Un salon de coiffure pour chien. Ton père n'était pas d'accord.
Il a été très désagréable avec Georges. Georges l'a pas supporté. Il est parti. Mireille a téléphoné à Cécile pour lui annoncer la nouvelle. J'ai téléphoné à Cécile tout à l'heure pour lui annoncer la nouvelle. La nouvelle, bien sûr, c'est qu'elle a gagné à la loterie. Tante Georgette, tu sais la nouvelle ? Mireille a gagné à la loterie. Vous savez la nouvelle ? Mireille a un nouveau petit ami. Il s'appelle Robert et il est américain. Le mari de Cécile conseille à Mireille d'acheter un terrain, de la terre. Un terrain pour construire une maison. Un terrain, c'est un bon placement, parce que la valeur des terrains augmente. Les tableaux aussi, c'est un bon placement. Tante Georgette trouve que faire des placements, c'est égoïste. Mais c'est bien égoïste tout ça. Marie-Laure est égoïste. Elle garde tous ses chocolats pour elle. Elle ne veut pas en donner. Les enfants, c'est égoïste. Tu me donnes un chocolat ? Ils sont à moi. Tu peux bien m'en donner un ? Non. Quelle sale égoïste ! Tante Georgette conseille à Mireille de donner de l'argent à la SPA, la Société Protectrice des Animaux. Ou alors, de lui donner de l'argent pour son cimetière de chiens. Et puis, tu pourrais m'aider pour mon cimetière de chiens. Voilà un cimetière. Un cimetière à Paris. Un cimetière basque. Un cimetière militaire dans le nord de la France. Un cimetière marin. Un cimetière de voitures. Tante Georgette s'occupe d'un cimetière pour chiens. Et Robert, qu'est-ce qu'il fait pendant ce temps-là ? Il est toujours en train d'essayer d'acheter des chaussures. Vous voulez des chaussures de montagne ? Non, il ne veut pas de chaussures de montagne. Il a peur que ce soit trop lourd. Tout de même, pour la marche, il vaudrait mieux des chaussures montantes, pas des souliers bas. Le vendeur propose à Robert des chaussures très souples. Ça, ce n'est pas souple. Mais ça, oui, c'est souple. Ces chaussures sont très souples parce que le dessus est en toile et la semelle est en caoutchouc. C'est pas tellement épais comme semelle. Non, c'est pas très épais, mais c'est très solide. Les semelles des Patogas sont assez épaisses. Ce sont des semelles anti-dérapantes. Vous vous rappelez, déraper. Attention, danger de dérapage. La voiture dérape. Le cycliste dérape. Il fait un dérapage. Lui aussi, il a dérapé. Il a glissé. Lui aussi. Mais avec des semelles antidérapantes, vous ne pouvez pas glisser. Robert essaie les chaussures. Comment vous vont-elles ? Elles lui vont assez bien. Celle de droite lui va même très bien. Ça vous va bien, cette petite jupe noire ? Je crois que l'autre te va mieux. Oh, est-ce que ça te va bien ? Ah non, ça te change, mais ça te va très bien. La chaussure de droite lui va bien, mais la chaussure de gauche ne lui va pas si bien. Elle le serre, elle est trop petite. Ça serre. Il serre les vis. Cette chemise serre. Ne serre pas trop. Rentre ton ventre. Ça la serre. Vous vous rappelez les sardines ? Elles sont serrées. Et les gens aussi sont serrés, serrés comme des sardines. Robert ne voudrait prendre que la chaussure de droite, qui lui va si bien, et ne pas prendre la chaussure de gauche qui le serre. Mais ce n'est pas possible. Franck, je regrette, monsieur, mais nous ne les vendons pas séparément. Alors tant pis. Robert prend la paire. Tant pis, c'est dommage. Qu'est-ce qu'on fait alors ? Et s'ils ne viennent pas ? Tant pis, je commence pas avant que tout le monde soit là. Robert prend la paire de Patogas. Vous n'avez pas besoin de sandales, d'espadrilles, de pantoufles ? Des sandales ? Non, Robert n'a pas besoin de sandales. Des espadrilles ? Non, Robert n'a pas besoin d'espadrilles. Des pantoufles ? Non, Robert n'a pas besoin de pantoufles. Non, merci. Pas aujourd'hui. Maintenant, observez, réfléchissez et parlez. 6 sur 20 à un devoir, c'est mauvais. Mais 2 sur 20, c'est... pire. Le courage, la charité, ce sont des défauts ou des vertus ? Des vertus. La loterie, ça encourage la paresse ou le travail ? La paresse. Ça, ce sont des chaussures pour faire de la marche ou pour faire du cheval ? Pour faire de la marche.
Quand vous allez acheter des chaussures dans un magasin, qu'est-ce qu'on vous demande? Du combien chaussez-vous? Regardez Robert, là. Qu'est-ce qu'il fait? Il grandit. Ça, c'est élastique ou rigide? Élastique. Qu'est-ce qu'il fait, le vendeur? Il prend les mesures. Qu'est-ce qui est arrivé au poisson rouge? Il a crevé. Où est-ce que cette jeune femme travaille? Dans un salon de coiffure. Ses chaussures sont rigides ou souples? Souples. Ça, c'est la semelle ou le dessus de la chaussure? La semelle. Regardez cette dame. Est-ce que la veste est trop grande pour elle ou est-ce qu'elle la serre? Elle la serre. Maintenant, vous voulez annoncer une nouvelle extraordinaire à Mireille. Qu'est-ce que vous lui dites? Mademoiselle Mireille, vous ne devinerez jamais. Puisque je ne devinerai jamais, dites-le-moi tout de suite, monsieur Guignol. Eh bien, je vais faire une petite sieste, mademoiselle Mireille. Vous êtes un paresseux, monsieur Guignol. Annenberg Media. Additional funding was provided by the Andrew W. Mellon Foundation, the Florence J. Gould Foundation Incorporated, le Ministère des Affaires étrangères, le Ministère de la Culture et de la Communication, le Commissariat Général à la Langue Française, the Jesse B. Cox Charitable Trust, and the National Endowment for the Humanities. For information about this and other Annenberg Media programs, call 1-800-LEARNER and visit us at www.learner.org.